Bonjour, 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 bonjour chez vous, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans la cuisine de Maggie officielle, bienvenue, bienvenue dans votre cuisine d'habituel. Ça fait très très longtemps, les travails, les boulots, les froids, les tout ça, les préoccupations. Je vous ramène un nouveau, nouvelle ou nouveau recette. Aujourd'hui, hiver a commencé, il faut manger des repas consistants. Je vous ramène les haricots blancs, ça sera haricots grillés, et là, accompagnement pour l'assaisonnement de mon haricot, j'ai les poirons, j'ai de la céleri, j'ai de l'oignon rouge, j'ai les poivrons rouges et poivrons verts, j'ai l'ail, j'ai du sel, j'ai le gingembre et là j'ai le kibor. J'ai le kibor qui est là. Donc j'ai le poivron, céleri, oignon rouge, kibor qui est là. Et gingembre qui est là. L'ail, du sel et les poivrons. Et là je vais couper mes épices. Donc les haricots, je l'avais laissé tremper à la veille. Je l'ai laissé tremper la veille et je le fais cuire à feu doux. Feu doux, donc réchaud à 4 pendant 45 minutes. Donc c'est cuit tout doucement, doucement. Et j'ai rincé mon haricot. J'ai rincé parce que si tu ne rinces pas de l'eau bouillie des haricots, ça fait gonfler le ventre et puis ça donne des gaz intestinaux. Donc là, je rince les haricots très très propres. Là, ça va. Et go! Là, j'ai mis les poulets dans les plaques à four. Les poulets là, et ça, c'est la margarine. Donc, je vais prendre la margarine et je vais poser sur le poulet. Ça va se fondre dedans. Voilà. Je mets la margarine par-dessus, 3 cuillerées à soupe. Et je vais les laisser au four à 220 degrés pour 30 minutes en vérifiant de temps en temps jusqu'à ce que ça sera bien cuit. C'est les os du poulet. Je l'ai assaisonné avec tomates concentrées, les piments doux, les échalotes en poudre et les bouillons de poulet. Et voilà, c'est ça. Voilà, piments doux, échalotes en poudre et tomates concentrées et le bouillon de poulet, bouillon de légumes ou de poulet. À très bientôt. Bon, vous verrez la photo et la vidéo quand j'avais assaisonné. Let's go! Donc, je vous présente céleri, ail et gingembre et kibor mixés ensemble. Oignon rouge coupé en cube presque. Et poivron rouge vert coupé en cube. Poivron coupé à rondelles. Et notre haricot est là. Et là, on a les piments d'Espelette. Et là, je fais bouillir l'huile. L'huile pour les oignons et tout ça. Et là-bas, l'huile pour griller les haricots. L'huile pour griller les haricots. Vous n'avez jamais vu ça, mais vous allez voir ça dans la cuisine des Maggie officielle. Pour commencer, je prends les haricots là. Je les trempe dans l'huile pour que l'huile soit chaude. Je vais mettre ça petit à petit pour que l'huile soit chaude. Pour faire griller les haricots. Et dans la poêle là, je mets. Les poivrons, les poivrons et de la céleri. Je les laisse mijoter tout doucement en remuant de temps en temps. La cuisine de Maggie officielle, c'était pour les enfants, les jeunes,
à partir de 15 ans, 12 ans, si tu es amateur de cuisine, et pour le papa et pour les mamans. C'est pour ça que je vous facilite la tâche avec mes recettes. À plus. Là, j'ai récupéré le jus de mon four, le jus de poulet. Le jus de poulet dans le four. Je vais ajouter dans les épices. Et je vais laisser continuer à mijoter. C'est bien ce que ça vient. Voilà, je le dis, Marie, elle aime trop de légumes pour être en bonne santé. Voilà. Il y a des confusions. Voilà. Avec l'huile. Regardez vous-même un bon repas comme ça, vous le trouverez nulle part que chez vous ou dans la cuisine des Maggie officielles. Regardez vous-même haricots grillés et le poulet. Ah, je ne vous dis pas le goût de ça. Le goût de ça, suivez la recette. Hein. Suivez la recette jusqu'au bout, suivez vraiment cette recette. Voilà, les légumes sont prêts. Je vais les passer au tamis pour essorer tout l'huile pour que ça ne reste que des légumes. Comme c'est les haricots grillés, donc vous ne pouvez pas avoir des matières grasses, on veut vraiment manger ça. Voilà, avant que je passe au mélange, je vous présente mes légumes. J'ai récupéré, vous voyez, tout l'huile, je l'ai récupéré. Et là, les haricots grillés, vous faites griller les haricots comme si vous grillez les frites. Il y a l'huile qui est restée aussi en dessous. Et il y a le poulet aussi, c'est fini. Le poulet est fini aussi. Et là, j'ai récupéré un peu du jus de ça. Voilà, j'ai récupéré là un peu et on a le piment d'Espelette. Et là, je vais commencer le mélange. Voilà, c'est facile. C'est vraiment facile. Un bon dîner comme ça. Vous pouvez le manger avec le pain, du riz, pommes de terre, la chikwang, banane plantain. Voilà, tout ce que vous voulez, quoi. Selon votre goût. Voilà, moi, je veux manger avec du pain. Maman Timba, Monteville. Maman Timba, Nakati, na Monteville. Tu vois un bon repas là pour le dimanche? Je te l'envoie aujourd'hui samedi pour que tu le fais pour papa dimanche. Y a Mireille à Champigny, sûrement. Non. Voilà, ta petite sœur Maggie a fait ça pour que demain dimanche tu fais pour papa. Maggie, tu seras au mariage ce soir, mais demain. Tu peux le faire pour papa. Voilà. Maman Mireille Babetta. Maman Mireille Babetta. Maman Céline. Maman chérie. Voilà. Recette. Voilà. Ça fait longtemps. Maman Hortense Bethesia. Maman Hortense Bethesia. Voilà. Pour mon papa Eric. Tu vois, tu peux faire pareil. Je t'envoie cette recette. Voilà. À tout le monde qui regarde la cuisine de Maggie officielle, je vous aime. Abonnez-vous massivement dans la cuisine de Maggie officielle. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Et moi non plus, je ne manquerai pas à ajouter tant de recettes, surtout en plein hiver là. On va bien hit et sans prendre du poids. Merci. Let's go pour notre mélange. On va mélanger à froid, hein? À froid. C'est un repas que vous pouvez manger comme salade. Hein? Voilà. Let's go, comme dit mon neveu, let's go. Voilà. Et vous ne regardez pas, hein, vous êtes des Maggie. Hein? Aujourd'hui, mode naturel. Voilà. Je prends les haricots. Je mets. Je prends les légumes. Let's go. Je vais récupérer l'huile hein, de qui est restée là pour cuisiner pour la prochaine fois. Et là, je mets piment d'Espelette.
pas beaucoup parce que ça pique aussi. Hein. Alors, et je prends le jus que j'avais laissé, j'avais récupéré un peu. J'ajoute. Voilà. Et je vais mélanger. Abonnez-vous massivement dans la cuisine des femmes de Proverbes 31. Voilà, juste mélanger comme ça. Vous pouvez les manger comme salade, comme en salade. Voilà, c'est un repas facile. Voilà, haricots grillés. Et les poulets. Voilà. Haricots grillés et poulet. C'est pas bien ça? Vraiment, abonnez-vous massivement dans la cuisine de Maggie officielle et le bon Dieu ne manquera pas à vous bénir. Dans la cuisine de Maggie officielle, toujours dans l'ambiance, dans la bonne humeur, et j'embrasse Puissy Cardinal qui m'accompagne toujours dans ma cuisine. Puissy Cardinal, il faut pas regarder, mes yeux sont fatigués. C'est pour ça que je n'ai pas mis le maquillage, pour que vous puissiez voir mes yeux qui sont fatigués là. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà, une femme, on peut aussi de temps en temps rester aussi naturelle, ça fait du bien. Voilà, pour montrer qui nous sommes aussi, il n'y a pas de souci, parce que Dieu nous a créés voilà, dans son image. Que Dieu vous bénisse, on est au mois de décembre, donc je vais vous ramener des recettes solide pour passer un bon hiver. Donc dans la cuisine de Maggie officielle, notre but c'est de partager, donc de montrer les recettes là à nos enfants, garçons, filles, à nos papas célibataires, à nos mamans célibataires, à nos jeunes célibataires qui ne savent pas cuisiner, à nos enfants, nos jeunes filles, partagez aussi à vos copines, à nos garçons, partagez aussi à vos copains pour manger comme ça. Arrêtez les fast-food. Arrêtez le McDo, arrêtez le fast-food. Vous pouvez manger de temps en temps, hein? Une fois par semaine ou deux fois par semaine, mais pas tous les jours. Des bons repas comme ça, vous ne les trouverez nulle part ailleurs que dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse, on est toujours là. Ce qui nous a mené dans la zone, c'est Nambalasima. Que Dieu vous bénisse, je vous aime tous, je vous embrasse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Voilà, à tout le monde qui me regarde, Océanie, Europana, Asiatica, voilà, tout le monde, que Dieu vous bénisse, voilà. Et les gens qui vont s'abonner, bienvenue dans la cuisine de Maggie officielle. Et les gens qui sont abonnés, continuez à regarder, à liker, à valider, à partager, que Dieu vous bénisse, à bientôt, je vous aime, je vous embrasse. God bless you, Mungu Babarika, à bientôt dans la cuisine de Maggie officielle. Ciao, ciao. Une femme de Proverbes 31. Ce n'est pas interdit, hein? Tout est utile. Mais tu devais choisir. Voilà, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis de manger, mais tout n'est pas utile. Maman Simba et... J'embrasse mes enfants et tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ah, les chansons là, on ne peut pas arrêter. Je vous invite de suivre cette recette.
attentivement dans la cuisine de Maggie officielle. Abonnez-vous, likez ça, c'est pour les amateurs de manger, c'est pour les gens qui aiment eat, c'est pour les gens qui aiment quoi ça, hein, qui aiment quoi ça, qui aiment manger, qui aiment goulia, qui aiment quoi, hein, qui aiment eat, qui aiment consommer, ça c'est pour les gens solides, hein? Ça même si tu fais régime, mange, voilà. Ce n'est que de bon, de bon, de bon. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà. Yesu tangakoya akamatayo okende likolo. Ça, c'est Quincy Cardinal. Allez visiter des chansons comme ça chez Quincy Cardinal TV Show. Voilà. Et j'embrasse ma sœur Véronique VMM TV Show na Katia, Texas. Na Villa, Dallas. Je vous aime. Et Paola, si tu peux cuisiner comme ça, comme moi, envoie-moi la photo. Celui qui va cuisiner comme ça, qui m'envoie la photo, qui me met les commentaires si c'était bon ou pas. Comme ça, je vous ferai encore de nouveaux recettes. Que Dieu vous bénisse. Merci, à bientôt. Ciao. Voilà. Après avoir mangé, avant de dormir, hein, puis somme 4, 8 à 9, je me couche, je m'endors en paix, car ce Dieu qui veille à ma demeure, qui Dieu vous bénisse. Et celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Quelles que soient les difficultés, il sera là qui dresse une table en face de nos adversaires. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ça. Hein? N'oubliez pas ça, le téléphone du bon Dieu. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Voilà, que Dieu vous bénisse. Toujours dans l'ambiance, dans la bonne humeur, dans la cuisine de Maggie officielle. Ciao!